bah écoutez, bilan début de saison. Mais début de saison positif, parce qu'on a perdu le premier match à Limoges, mais depuis on a fait 5 matchs sans défaite. Voilà. Bon, après, on va dire dans l'ensemble aujourd'hui, voilà, on se permet d'avoir une rotation des joueurs, c'est-à-dire d'intégrer tout le monde dans notre projet, dans notre collectif, puisque c'est ce qu'on veut en fait, hein, c'est créer un projet collectif où tout le monde peut participer. Donc, c'est chose faite aujourd'hui. Voilà, ça c'est. Aujourd'hui, on a vu qu'on avait fait un match contrement, un match construit et structuré. Ensuite, bon, bah, on a, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on perd des points un peu bêtement par manque d'immaturité. On perd un point à Limoges, on prend un essai à 84e de 100 mètres, et puis on perd deux points contre Chambéry alors qu'on a le ballon. Et, bon, l'arbitre dit qu'il reste 10 secondes, du coup, on a notre balle de match. Donc on a perdu un peu 3 points bêtement. Mais dans l'ensemble, c'est un bon début de saison pour nous. Oui, bah, comme l'a dit Laurent, notre manager général. Hein. Pour l'instant, les objectifs sont remplis et au bout de 6 matchs, hein, c'est 6 matchs qu'on a fait déjà. Je pense qu'on est dans la première partie du tableau et voilà, on est en phase avec nos objectifs et on verra la semaine prochaine le match à Tarbes. On va aller là-bas pour faire quelque chose et puis on donne rendez-vous le samedi 19 novembre à la réception de Aix-en-Provence qui sera, je pense, un très très beau match. Voilà, merci.